Les plus belles villes n'ont été que peu de choses dans leur origine. Venise, dont la splendeur fait l'administration de l'univers, n'était d'abord qu'un amas bizarre de petites îles que le débordement de la mer avait formées. Rochefort n'était pas plus considérable avant que Louis XIV eût conçu le dessein d'y établir un port. Ce n'était qu'un assemblage de marais remplis par les inondations de la Charente, qui formait un lieu malsain, désagréable et stérile. Voici ce qui a fait naître l'occasion d'en faire une des plus belles villes du royaume. On voit très bien les raisons qui ont conduit Colbert à choisir Rochefort pour en faire une place forte de la défense du littoral atlantique. Rochefort est dans un coude au bord de la Charente, entouré de marais, et a donc une position stratégique très importante, qui fait que le site a été choisi pour défendre notamment ce pertuis où on trouve l'île de Ré, l'île de Léron. Donc Rochefort est une ville finalement assez particulière, puisque la mer n'est pas présente à Rochefort, et pourtant le thème maritime est partout présent dans la ville. Il n'est donc pas étonnant qu'on retrouve dans les grandes catégories du XIXe siècle un certain nombre d'ouvrages, même un nombre très important d'ouvrages, liés au voyage, Fraissinet, Laplace, des ouvrages traduits de l'anglais également. Langue latine, langue romaine, langue italienne, langue française, langue espagnole, langue portugaise. Rester ici, c'est mourir de faim. Nous faisons un mille en avant. Mercredi 12, pris à déjeuner notre dernière cuillerée de glycérine. Un couple de poignées d'écorce de saule arctique. Nous avons à peine assez de force pour aller chercher du bois. Pas de nouvelles de Ninderman. Nuit horrible. La fondation de la bibliothèque municipale de Rochefort peut être datée en 1818, au moment où la ville décide de payer quelqu'un pour l'administrer. Donc évidemment, dès les premières années, on va retrouver des ouvrages sur la marine, sur le voyage, liés à l'activité, au cœur de l'activité rochefortaise. Mais on va trouver également d'autres ouvrages ou documents tout à fait intéressants, et notamment ce livre d'un peintre rochefortais relativement célèbre, en tout cas localement, qui est Audebert, qui a publié une histoire naturelle des oiseaux mouches et des colibris. La médiathèque conserve les archives municipales antérieures à 1850. Donc on peut reconstituer l'histoire de cet achat grâce au courrier adressé au maire par le vendeur de l'ouvrage. Monsieur, j'ai l'honneur de vous adresser l'ouvrage du peintre Audebert, dont vous m'avez témoigné le désir de faire l'acquisition Monsieur, au nom de la ville. Je vous en ai demandé 3000 francs. Fier de posséder seul dans notre ville le plus bel ouvrage du plus célèbre de nos compatriotes, j'en eusse voulu pour aucun prix le céder à nulle autre ville, quoique probablement j'en eusse trouvé ailleurs une somme plus considérable. Cet ouvrage, dont on n'a tiré qu'un très petit nombre d'épreuves, et dont toutes les planches ont été brisées à dessein par l'auteur, est extrêmement rare en France, et le temps ne peut qu'ajouter à son prix. Vous serez à même de vous convaincre, monsieur le maire, qu'on vous avait induit en erreur en annonçant que mon ouvrage était gâté. Il a toujours été parfaitement soigné, et je ne crains pas qu'on y apporte moins d'attention durant le temps que vous le jugerez à propos de le garder à la mairie. J'ai l'honneur d'être, monsieur le maire, votre très humble et très obéissant serviteur. Tout ce qui se situe dans cette partie du magasin, c'est du Pierre Loti, on peut dire. Des ouvrages de Pierre Loti, des ouvrages sur Pierre Loti, sur la littérature exotique, sur les écrivains qui gravitaient autour de Pierre Loti. Et le fonds est alimenté de manière systématique, donc depuis un certain nombre d'années. On continue à le faire avec des acquisitions particulièrement remarquables. Et l'une de ces acquisitions particulièrement remarquables est le manuscrit du journal de Pierre Loti, journal qu'il a tenu durant toute sa vie,
et qui est en grande partie inédit, puisqu'il y a les deux premiers volumes ont été publiés très récemment, ces dernières années. La suite est en cours de publication. Alors évidemment, ce fonds Pierre Loti, il est très important, mais il faut signaler que les ouvrages qu'on trouve dans le fonds, là je parle évidemment des imprimés, ne sont pas des ouvrages rares. On peut les trouver un peu partout dans les collections des bibliothèques françaises. Ce qui fait l'intérêt de ce fonds, évidemment, c'est la concentration de ressources sur Pierre Loti. Et puis, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, de l'ensemble de ces figures rochefortaises qui sont intéressées à l'exotisme et qui ont participé au voyage de la marine, au voyage d'exploration, notamment Bello qui a participé à l'ouverture du passage du Nord-Ouest dans un voyage d'exploration au pôle, donc toujours au 19e siècle, et puis les deux frères Lesson, René Primevère Lesson et Pierre-Adolphe Lesson, qui étaient chirurgiens et naturalistes qui ont fait l'école de médecine navale de Rochefort. Et il y a des textes, par exemple, assez touchants. Les cris de la glace sont sinistres, et les craquements du navire y répondent. La Jeannette gémit et tremble dans ses membrures. De la paume des mâts à la quille, elle se tord et se débat comme pour échapper à cette formidable étreinte. Les flancs vont céder, les ponts se courbent, les bordages se séparent. Depuis longtemps, tout était prêt en vue de la catastrophe. On amène les embarcations, on débarque les traîneaux, les chiens, les armes, les vivres, les approvisionnements de tout genre. Chacun est calme, chacun fait son devoir. L'œuvre de destruction s'est accomplie et tout bruit a cessé. Les voix elles-mêmes se taisent. C'est un silence morne, sinistre et ténébreux, qui se transforme en terreur. Le silence que l'on écoute, que l'on voit, que l'on sent. 33 hommes sont là, à 500 milles de tout secours possible. Sur cette même glace qui vient d'écraser leur navire et qui peut à chaque instant les engloutir eux-mêmes. Puis, à 4 heures du matin, un craquement horrible se fit entendre. Les glaces qui soutenaient encore la Jeannette venaient en se brisant de lui livrer passage. Et le navire sombrait. Les mâts et les vergues brisés, mais retenus par les manœuvres, s'enfoncent avec lui. Puis les glaces se rapprochent, se referment, et ce fut une émotion poignante que de ne plus rien voir. Rien. On cherche à toucher les limites du monde. On croit encore qu'il y a un continent disparu autour de l'Australie. Enfin, le monde n'est pas complètement cartographié. Et au 19e, toutes les îles ont été abordées. Et donc, les voyages du 19e, c'est plus une optique de connaissance et d'inventaire. Donc, ils vont vouloir dessiner toute la flore, toute la faune, répertorier les mœurs de tous les autochtones, les coutumes, tout ce qu'ils voient. Il y a une espèce de frénésie de connaissance visuelle, quoi, répertorier le réel de ces îles qu'on vient de découvrir au siècle précédent. Deux identités marquent le fond de la bibliothèque. René Primevère et Pierre-Adolphe Lesson. Chirurgiens, naturalistes, tous deux explorateurs rochefortais du 19e siècle, ont légué à la ville en 1888 leur bibliothèque personnelle. Plus de 1000 ouvrages traitant du thème du voyage, des raretés rapportées de par le monde, leurs manuscrits, récits de voyage, sont venus enrichir et affirmer l'identité de la bibliothèque de Rochefort. Le 6 avril, je quittais Rochefort pour rallier le brick qui portait César et sa fortune. J'arrivais le même soir à bord, et le lendemain mardi 7, nous franchissions la passe d'Antioche. Et peu d'une heure après, la terre de la patrie ne nous apparaissait plus que comme un long ruban se dévidant à l'horizon.
Le cap était sur ce fameux promontoire espagnol que tout navire a besoin de dépasser pour être hors du golfe de Gascogne. Le temps était beau. C'était un homme d'une quarantaine d'années, n'ayant pas plus de 5 pieds 2 pouces de haut et une bonne physionomie. Son teint était noirâtre. Ses cheveux étaient longs, noirâtres frisés, mais lisses et non laineux. Tous ses membres étaient grêles, surtout les jambes. Son nez était épaté, à ample narine, et la cloison nasale perforée. Il avait la bouche et les oreilles grandes, la lèvre inférieure grosse, les pommettes écartées, le maxillaire inférieur peu large. Ses dents étaient très belles, mais un peu usées, larges et presque toutes molaires par la forme. Les matelots et les soldats des vaisseaux ont presque toujours été la cause des mésintelligences qui sont survenues entre les Européens et les naturels. Ces hommes civilisés, beaucoup moins raisonnables que les prétendus sauvages, sont sans jugement et sans tact. Ils offensent les indigènes dans leur personne, dans celle de leurs femmes ou de leurs filles, dans leurs biens qu'ils prennent avec une insouciance coupable, et sont prêts au moindre signe à faire usage de la force brutale. Un matelot européen tirerait au moindre prétexte sur un sauvage avec autant de plaisir que sur un lièvre. Et on s'étonne ensuite des malheurs qui surviennent. Pierre-Adolphe Lesson, en fait, a été un compilateur absolument hallucinant. Il a passé 30 ans, où il était à la retraite, à Rochefort, à reprendre dans les ouvrages dont on vient de parler, dans les imprimés, à recopier des passages entiers, faire des vérifications entre différentes versions de récits de voyage, pour essayer de recouper ce que lui avait vu, ses propres observations, donc une espèce d'entreprise sans fin et qui ne pouvait pas trouver... Inutile sans doute de redire ici que dans ce voyage, comme avec les autres, ce ne sont pas les liaisons passagères, les distractions de toutes sortes qui m'ont fait les aimer, ainsi qu'on pourrait être porté à le supposer à la lecture de certains épisodes, mais bien les sensations diverses éprouvées à la vue d'objets nouveaux, la variété des pays, l'observation des mœurs, les scènes variées, les dangers même de la navigation. Je suis presque certain qu'après avoir parcouru mon journal, on en sera convaincu et qu'on apercevra très bien l'attrait qu'avait pour moi la vie errante. Voyageur, c'est comme je l'ai déjà dit, que j'étais né pour cette vie. On pourrait penser que un certain nombre de ces documents n'ont plus aucun lien avec nous, avec notre propre histoire. Il y a un intérêt qui vient du présent, qui fait qu'on va s'intéresser à ça. Et ce que je vous disais la dernière fois, pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à des documents qui traitent de l'histoire du Pacifique, par exemple, c'est parce qu'on est dans un moment, une conjoncture, où on est amené à s'interroger sur le rôle qu'ont pu jouer les pays occidentaux, ou l'Occident en général, dans des processus comme la colonisation, ce qui conduit aujourd'hui au rapport entre les pays dits du Nord et ceux dits du Sud. Voilà, tout ça, il y a une histoire derrière tout ça, et il y a, dans cette histoire-là, il y a des grands personnages et il y a aussi des seconds rôles, comme au cinéma, et Pierre-Adolphe Lesson, c'est un second rôle, mais à partir de la vision d'un second rôle, des fois, on peut reconstituer des pans de la grande histoire, en fait. Donc c'est un peu, c'est le béaba de tout historien, mais c'est vrai que ce genre de document permet de rappeler ça, quoi, en fait.